Bon, ça va bien. Hein? Oui, je vous demandais si Alice s'en vient, si elle va venir faire un tour aujourd'hui. Pierre. OK. D'accord. Bon, ça s'en vient. Ça, à suivre. Oui, c'est ça. Alors, bonsoir à la planète ou bonjour au Canada. Bienvenue à Tam Tam Canada en direct de Montréal, en compagnie de mes collègues de la section française de Radio-Canada International, Spot Studio. On va bientôt apparaître en couleur. Voici donc de droite à gauche et de gauche à droite. Voici Alice qui est avec nous.
Bonjour Stéphane. Ismaël. Bonjour Stéphane. D'accord. On a quelques minutes de retard aujourd'hui, c'est parce que, bon, on avait des grosses têtes un peu chargées, puis ça prend du temps de nous rendre de notre bureau à notre studio. Il y a tout de même 1 kilomètre qui nous sépare des deux. Et farce, évidemment, c'est une farce. Et puis, non, on est en retard parce qu'on avait des détails techniques à corriger. Mais là, on est en santé, on est là. Écoutez, on est prêt pour vous montrer notre vidéo 5 images et puis nos collègues ici en studio vont tenter de déterminer, grâce à ces images, eux aussi, le sujet de notre émission aujourd'hui. On regarde ça ensemble. Vous allez voir. Allons voir vous ça. Allez me dire de quoi on parle aujourd'hui, mais soyez pas trop rapide en affaires. Ça ressemble au corona. Au coronavirus. Hein? Ça ressemble, oui. C'est sur une bonne piste, d'après moi. Les épidémies. C'est sûr qu'on va parler de ça, mais encore. On recherche le vaccin? Oui, on va certainement être à la recherche sur la piste de choses semblables, mais encore. Vous êtes en train de sécher à l'examen, là. Alors, voici la réponse. On est dans un laboratoire. Oui, absolument. Oui, vous avez la bonne réponse. Fantastique. Lutte infiniment grande du laboratoire canadien et du laboratoire national de microbiologie contre le coronavirus. D'accord. Je dis, moi, j'aurais dit coronavirus, si je voulais parler français, là. Coronavirus. On est atterri à Cuba, quelque part. Écoutez, alors, ça, c'est notre sujet aujourd'hui. Puis, on va parler des laboratoires de type 4, de type 3. D'accord. C'est sûr que c'est un véritable casse-tête pour les scientifiques. C'est ça. Trouver un vaccin, c'est pas du tout donné, là. On disait que le Canada pouvait... Enfin, c'était l'opinion exprimée par un responsable canadien cette semaine. Ça pourrait prendre 1 an. Mmh. On sait que dans le cas de certains de ces coronavirus, comme celui de 2012 au Moyen-Orient, on n'a toujours pas de vaccin. Oui. D'accord. On est chanceux parce qu'il n'y a pas de victimes maintenant. Mmh. Cette maladie a fait son chemin. Elle est partie quelque part, enterrée dans le désert. Mmh. D'accord. Mais là, c'est pas sûr ce qui va se passer. On va regarder... la situation avec un spécialiste, le voici, le voilà, sur Skype. Il s'agit d'un grand chercheur canadien, le Dr Guy Boivin, microbiologiste et infectiologue au Centre Université Hospitalier de Québec. Et puis, merci d'avoir accepté notre invitation cette semaine. Vous êtes très occupé. Merci. Et c'est pas parce qu'il se passe quelque chose mondialement que vous êtes nécessairement très occupé, c'est parce qu'il s'est passé la semaine dernière un événement important pour le Québec dans l'ensemble. Dites-nous de quoi il s'agit. Bien, en fait, c'est tout à fait un hasard. C'est arrivé. En dernier, on a inauguré notre laboratoire en 3 pour travailler avec des pathogènes émergents, des virus émergents, comme le coronavirus. Un problème. C'est étant donné que c'était au beau milieu de l'épidémie de coronavirus. Donc, nous, on avait planifié notre inauguration et quelques mois en décembre, fin décembre, les virus sont apparus en Chine. Donc, tout à fait un hasard. Ça démontre quand même l'importance d'établir des laboratoires au niveau du confinement froid. Oui, docteur Olivier, on va tenter de vous appeler au téléphone puisque la communication Skype est vraiment enrhumée aujourd'hui. Tout à fait. Ça Il y a comme une espèce de nazisme. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on vous rappelle au téléphone, ça va prendre 2-3 minutes pour établir la communication. Tout à fait. Et pendant ce temps, je vais vous proposer... de regarder ceci. C'est la deuxième question de la grosse boule. En fait, c'est notre première question aujourd'hui à la grosse boule. D'accord. Alors, premier tour, il y a 3 jeux par émission. Il y a 20 boules à perdre pour le premier jeu. Vous allez voir, on vous donne ces points, ces premiers points pour la première question. On affiche ça à l'écran. En 2003, souvenez-vous, on parlait beaucoup du SRAS, c'est-à-dire le syndrome respiratoire aigu sévère, comme si ce n'était pas assez grave. Oui. Alors ça, on appelait ça le SRAS. Et en 2003, voici la question, dans quel animal le coronavirus responsable de l'épidémie du SRAS aurait-il alors pris naissance à ce moment-là? Vous avez un choix ici de réponse possible. Est-ce que c'est le sanglier? On parlait d'une espèce de grippe aviaire.
J'irai avec le poulet. Moi aussi. J'irai avec le poulet. Le poulet, oui. C'est le poulet, je pense. Parce qu'on parlait de grippe aviaire. Tout à fait. Donc vous misez sur B, le poulet. Oui, le poulet, oui. Moi, j'aime beaucoup le poulet aussi. C'est unanime. Oui. Bon. J'aime moins le serpent. Le serpent, j'aime pas tellement. C'est, non. Bon. Voici, on va regarder, on va vous montrer Est-ce la réponse. Que c'était le sanglier, non. Vous allez tous être surpris. Voici la bonne réponse. 5 étoiles vont s'afficher. Voilà, aucune de ces réponses. Aucune. Alors, qu'est-ce que ce serait? Si c'est pas le poulet, le singe ou le sanglier, l'origine du SRAS, du coronavirus à ce moment-là, c'était d'origine animale. Mais de quel animal? Chauve-souris. Fantastique. Justement, mais hier, mon fils m'en parlait. Il me disait, mais maman, à l'école, tu sais, tout le monde dit, ah, ben, c'est parce qu'en Chine, les gens ont dû peut-être côtoyer des chauves-souris. Ouais. Ah, d'accord. Comme... Oh. Ben, moi, j'étais surpris. Mais des fois, ils peuvent nous instruire, ces enfants. Hein. Ah oui, ils en savent plus que nous, parfois. Oui, oui, oui. Pareil que les chauves-souris sont remplies de bactéries. C'est ça. Et de virus, surtout de virus, là. Mais qu'ils ont un système qui, à toute épreuve, qui permet, s'ils sont en santé, de combattre à peu près tout. D'accord. Plus que nous. Et dans ce cas-là, il nous avait transmis la maladie. Et on pense, je lisais ça ce matin, que le coronavirus présentement en Chine viendrait également d'une source chauve-souris. C'est pas confirmé, là. C'est donc ce dont on discute en ce moment. Ben, hier, on en a parlé comme ça en rigolant. Il me disait, mais maman, c'est sûr, hein, c'est vraiment une chauve-souris. J'étais comme, mais non, t'es sérieux ou pas? Incroyable, hein? Puis, tu sais comment les fausses rumeurs sont? Là, il y a des gens qui disaient, il y a des problèmes avec les chauves-souris au Canada. Attention, ils vont nous communiquer des virus. Mais oui, mais oui, mais oui. Ça va être encore plus grave avec ce qui se passe en Chine. Tout à fait. C'est vraiment à prendre en considération. La machine à rumeurs, parfois, aussi faire attention. Mais c'est la consommation de chauves-souris? Ben, écoutez, il y avait, je ne sais pas s'ils consomment des chauves-souris, mais il y a peut-être eu cohabitation entre une chauve-souris et un poulet, par exemple. Peut-être un contact un peu trop rapproché. D'accord, voilà. D'accord. Exactement. Ah, je ne sais pas s'ils mangent des chauves-souris dans certains coins du monde. Là, on ne peut pas savoir. Je ne sais pas. Moi, je ne le ferai pas, mais c'est tout à fait un choix personnel, n'est-ce pas? Tout le monde a droit à tout faire, bon? Oui. Écoutez, on met un stop à la grosse boule. On va aller voir si notre spécialiste du laboratoire de niveau 3 à Québec est avec nous au téléphone. Bonjour, professeur. Ah, il n'est pas encore. Moi, je le vois à la caméra, mais... Moi aussi, je le vois, mais apparemment, il nous entend pas. À la caméra. Oui, c'est bien. Il nous entend pas. C'est bien. Bon, ben, en attendant... Il nous entend peut-être, mais nous, on l'entend pas. On l'attend. En attendant... Êtes-vous prêt pour la suite des événements? Vous avez déjà perdu 20 points. On y va pour les 30 autres points. On va essayer de se rattraper. Deuxième question. Vous avez fait pas, j'en ai des questions. Moi, je peux vous faire une émission juste avec des questions. Okay. Alors, on y va avec le deuxième tour de la grosse boule. 30 boules à perdre. Là, ça va être amusant. Bon. On va voir si vous avez bien regardé à la télévision, bien lu dans les journaux cette semaine ce qui se passait. Quel est le nom utilisé par les scientifiques pour désigner en ce moment le coronavirus dont on parle tant? Est-ce que c'est A, 2019... COVN, ou est-ce que c'est B, le 2019-NCOV, ou est-ce que c'est C, le 2019-NCOVN, ou est-ce que c'est D, 2019... Espèce de con. Ben, écoutez... 2019-NCOVIRUS. Ben, j'irai avec le D. Le D, ouais. D'accord. J'irai avec le B. Le B. COV. Ben, l'un d'entre vous a le conservé virus. Ses points. Bon. Qui c'est, d'après vous? C'est Ismaël. C'est Ismaël. On va afficher la bonne c'est réponse. Voilà. C'est quelque chose que moi, j'ai vu tout au long de la semaine, mais quand j'ai dit, mais c'est vrai, mais c'est quoi, le nom? C'est ça. Ouais, ouais, c'est le nom officiel. Bon. Ouais, pas de dyslexie possible ici à l'émission. Voilà. OK. Alors, si on n'est pas prêt pour le professeur Dr Guy Olivier, j'aurai une autre question, mais je vais me tourner vers la régie qui, bien sûr, elle, qui est la seule qui pilote cette émission de façon logique. Alors, la régie, dites-moi, sommes-nous prêts à parler au docteur, au spécialiste? Ça ne sera pas long. On y va avec la troisième question prévue à l'émission aujourd'hui. On déboule la grosse boule. 50 points à conserver. D'accord? D'accord. Okay. Alors, Ismaël, vous avez tous vos points. Mais en attendant, on peut faire le point sur le coronavirus. Où est-ce qu'on est rendu? C'est combien de morts, combien de cas en Chine? Plus de 9700 aujourd'hui. Oh, puis il y a 5 jours, c'était 2700. J'ai vérifié les chiffres, je me suis dit à quelle vitesse ça évolue. C'est fou, hein? C'est ça fou. Évolue. Mais pour le moment, est-ce qu'il y a un cas au Canada ou pas? Trois. Confirmé. Oui, confirmé. Puis un certain nombre de personnes qui sont en observation.
Mais il y en a un qui a quitté l'hôpital ce matin, je crois. C'était à Toronto. OK, donc c'est le cas qui était handicap... En observation, oui. Ah, OK, d'accord. Alors, il y a un certain nombre de personnes en observation. Il y a aussi la situation dans les aéroports canadiens. Okay. Plus de mesures draconiennes aux États-Unis, quand je dis draconiennes ou sévères, un petit peu moins au Canada, puis la critique commence à lever. On se dit, on voit arriver des passagers qui arrivent d'Asie. Ah oui, justement. Et où est-ce qu'on en est avec le rapatriement des Canadiens qui se trouvent c'est du côté bloqué de la Chine? Pour le moment par des problèmes de pas de tracasserie, mais de bureaucratie entre les deux pays. Ouais, le Canada est en retard par rapport aux autres pays. Notre invité est là, Dr Guy Boivin. Merci d'être resté avec nous et d'être au téléphone. Alors, votre grand laboratoire de niveau 3 a ouvert le 24 dernier. C'était donc il y a exactement une semaine. C'est une drôle de coïncidence. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler? Vous êtes déjà, comme ils disent les Anglais, open for business. Vous êtes déjà sur le cas? On est en train de mettre au point des tests diagnostiques pour le moment. On commence avec les tests diagnostiques parce que le plus important pour bien traiter cette épidémie-là, c'est de diagnostiquer les cas de façon rapide et de ne pas en manquer. Donc, on travaille sur un test diagnostique pour l'instant. Quand vous dites un test diagnostique, c'est quelque chose que vous pourriez nous administrer en l'espace d'une minute ou deux, on sait qu'on a des doutes ou c'est un peu plus long que ça, ce que vous envisagez? On parle d'une couple d'heures. C'est un test de biologie moléculaire, donc on détecte le code génétique des coronavirus, dont celui du nouveau coronavirus provenant de Chine, et on le compare au coronavirus SRAS, au coronavirus du Moyen-Orient et aux autres coronavirus plus bénins. Mais c'est important de faire la distinction entre les différents coronavirus parce qu'il y a des coronavirus qui donnent des rhumes tout à fait banals, pas de mortalité, puis il y en a d'autres comme le SRAS, comme le coronavirus du Moyen-Orient, qui ont des taux de mortalité de 10 à 35 %. Celui qui nous intéresse à l'heure actuelle, celui qui provient de Chine, on pense que le taux de mortalité, là, avec les données qui nous sont parvenues de la Chine, on parle d'un taux de mortalité d'environ 1 à 2 %. Par contre, il se reproduit quand même assez rapidement. Dans ce que vous... Là, on va montrer des images de la journée de vendredi dernier, alors qu'on ouvrait votre laboratoire au grand public. Ben, quand je dis on l'ouvre au grand public, ça ne durera pas longtemps. Je suis sûr que vous avez désinfecté les lieux depuis. Mais écoutez, sérieusement, dans ce que vous observez, est-ce que dans les échantillons du virus que vous avez en main, est-ce qu'on observe le virus n'est pas toujours le même, il y a des différences, il évolue. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet-là? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que les virus, même les coronavirus qui proviennent de Chine, qu'on appelle 2019-nCoV, sont pas tous identiques. Il y a des mutations entre les différents virus qui proviennent de différents patients. On n'a pas encore entre les mains les souches proviennent de d'autres pays. Mais par contre, la séquence génétique de plusieurs est disponible sur le web. Donc, on peut faire des alignements comparés. Et en comparant ces séquences-là génétiques, on s'aperçoit qu'effectivement, oui, il y a des mutations. Est-ce que ça veut dire que ces virus qui ont muté là vont donner des infections plus sévères? Ça reste à voir, ça reste à étudier. Là, pendant qu'on regarde ces images où vous vous adressiez aux médias vendredi dernier, on va faire une transition vers Winnipeg, le laboratoire national, ou qui est de niveau 4, le vôtre est de niveau 3. J'aimerais que, et là on va voir des images tournées par CBC cette semaine, c'est quand même quelque chose qu'on ait pu être invité là. C'est vraiment le CDC, donc le Center for Disease Control canadien, et c'est, il y a des différences entre votre laboratoire et celui-là. Pouvez-vous nous donner une image de ce que c'est ce que ça représente, le genre de niveau 3, niveau 4? Bon, les laboratoires qui s'occupent qui travaillent avec des micro-organismes, des bactéries, des virus, des champignons, des parasites, sont classés de niveau 1 à niveau 4. Le classement des pathogènes ou des micro-organismes, ça dépend de plusieurs critères. Parmi ces critères-là, il y a le fait, est-ce que la bactérie ou le virus est dangereux pour l'humain? Est-ce qu'il existe des traitements ou des vaccins en cas d'accident? Puis la propensité de ces micro-organismes-là à se disséminer dans la collectivité, à se transmettre rapidement entre humains. Alors, suite à ces critères-là, les différents pathogènes ont été classifiés niveau 1 à niveau 4. Niveau 3, comme le nôtre, on peut travailler avec des virus comme les virus de la grippe aviaire, le fameux H5N1 qu'on a parlé durant plusieurs années. On peut travailler aussi avec des coronavirus, que ce soit le SRAS, celui de Chine,
celui du Moyen-Orient. On peut travailler avec ce qu'on appelle des arbovirus, des virus transmis par les moustiques, comme le virus de la dengue, le virus de la fièvre jaune. Ce qu'on peut pas faire, c'est qu'on peut pas travailler avec les virus qui causent des fièvres virales hémorragiques, comme le virus Ebola. Ça demande un niveau de confinement 4. Et il y en a seulement un laboratoire de niveau de confinement 4 au Canada, et c'est celui de Winnipeg, comme vous avez mentionné, qui est le Laboratoire national de microbiologie, dont la vocation est principalement de la surveillance et du diagnostic. Nous, notre vocation première, c'est particulièrement c'est au niveau de la recherche. Qui va inventer le vaccin? Là? C'est justement la question que j'allais poser. Qui est susceptible de faire ça? Est-ce qu'on est en bonne voie de découvrir un vaccin pour stopper ce virus-là? Je pense que ça va prendre un peu plus de temps que quelques semaines ou quelques mois, malheureusement. Notre expérience avec les coronavirus montre que ce ne sera pas facile de développer des vaccins. La preuve, c'est qu'on n'a pas développé de vaccin contre le SRAS qui a circulé en 2002-2003, ni contre, comme vous l'avez mentionné, le coronavirus du Moyen-Orient de 2012. C'est une des raisons pour laquelle on a de la difficulté. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce qui amène à un niveau de difficulté plus élevé, c'est que ces virus qu'on qualifie, qui possèdent comme chromosome un ARN, font des mutations plus fréquentes que les virus qui possèdent un chromosome qui contient de l'ADN. Je m'explique. Les virus qui contiennent l'ARN, c'est les virus, par exemple, de la grippe, le VIH, l'hépatite C et les coronavirus. Ça mute constamment, beaucoup plus fréquemment que les virus qui possèdent de l'ADN, comme les virus herpès, par exemple. Donc, le fait qu'il mute plus fréquemment, ça fait que c'est plus difficile de développer un vaccin qui va amener la production d'anticorps contre toutes les souches qui ont muté. Et est-ce que dans la recherche, c'est toujours important de connaître le patient zéro? Je sais que dans des épidémies de virus, c'est quelque chose qui peut être important pour découvrir des vaccins. Est-ce que ça l'est, là, dans ce cas-ci? Non, je dirais pas que c'est important de connaître le patient zéro. Ce qui est plus important, selon moi, c'est de découvrir comment le virus a sauté la barrière des espèces. Le réservoir, probablement une chauve-souris, mais la plupart des humains n'ont pas été infectés par la chauve-souris à Wuhan. Il y a probablement un animal entre les deux, entre la chauve-souris et l'humain, qui a transmis le virus à l'humain. Dans le cas du SRAS en 2003, cet animal intermédiaire-là, c'était la civette. C'est un petit mammifère qui ressemble à un furet, dont les Chinois raffolent comme nourriture, qui a été incriminé. Dans le cas du coronavirus du Moyen-Orient de 2012, l'intermédiaire, c'était le dromadaire, donc qui était le réservoir qui était infecté par une chauve-souris, qui a infecté par la suite l'homme. Bon, ceci étant dit, après qu'on a connu la source, il faut s'organiser pour qu'il n'y ait pas de réintroduction de cette source de virus-là chez l'humain à nouveau. Il y a un des problèmes qu'on a avec la Chine, c'est malheureux à dire, mais c'est leur fameux marché d'animaux vivants où les contacts entre l'homme et l'animal sont pas mal plus élevés que ce qu'on voit dans des pays comme en Amérique du Nord ou en Europe, par exemple. Docteur Boivin, j'aurais une question. Je ne sais pas si on peut se permettre cette comparaison-là. On sait que le monde entier est en alerte par rapport au coronavirus. Je veux savoir s'il faut comparer par rapport au nombre de morts. Qu'est-ce qui serait plus mortel entre le virus qui cause la grippe, les épisodes qu'on a souvent ici chez nous en Amérique du Nord, et le coronavirus? Qu'est-ce qui serait plus mortel, selon vous? C'est une bonne question que vous posez. Il faut toujours relativiser. Le coronavirus provenant de Chine, jusqu'à maintenant, a amené le décès de 213 personnes en date de ce matin. Chaque année, la grippe cause de 3 à 5 000 décès au Canada. Donc, on est loin du compte là, avec le coronavirus qui provient de Chine. On n'a pas encore un décès à l'extérieur de la Chine. Et on a 213 décès à peu près en Chine. Donc, c'est beaucoup plus dangereux. Il y a beaucoup plus de chances qu'une personne décède de la grippe qu'une personne décède du coronavirus associé à la Chine. Parce que j'ai appris que le Canada était le seul pays hors de la Chine à avoir eu des décès lors de l'épisode du SRAS. Tout
à fait. Aucun autre pays avait eu des décès hormis la Chine. Donc le Canada, c'est un lieu sensé. Il n'y avait pas eu 40 morts, 44 morts, quelque chose comme ça. Il y a eu près de, oui. Il y a eu près de 400 cas détectés, infectés, et environ 44 décès, si ma mémoire est exacte. On a appris, par contre, depuis l'épidémie de SARS de 2003, on sait que ces coronavirus-là, on est capable d'éradiquer la transmission si on emploie des mesures de santé publique qui sont très strictes. Alors, ces virus-là se transmettent, mais selon les contacts étroits entre des individus. Puis par contact étroit, c'est surtout les contacts familiaux ou les contacts qui se produisent quand une personne est hospitalisée et que les mesures de santé publique ne sont pas bien activées. C'est-à-dire que on porte pas le masque, la blouse, la visière, etc. Si on isole rapidement les cas, on trace les contacts, on isole ces contacts-là, on va venir à bout, moi je suis certain, de cette épidémie-là. Comme on est venu à bout du SRAS depuis 2003-2004, il n'y a plus de cas chez l'humain. Peut-être que le réservoir animal est encore présent et qu'il va y avoir une réintroduction un jour. Pour l'instant, on a réussi à contenir cette épidémie-là. Donc je pense que le problème avec le nouveau coronavirus, c'est si ça arrive dans un pays dont les infrastructures sanitaires sont moins bonnes, par exemple en Afrique ou certains pays d'Asie, où ça pourrait créer pas mal de dommages. Mais je pense pas qu'un pays comme le Canada, les États-Unis ou la plupart des pays européens vont avoir de gros problèmes avec ce coronavirus-là, maintenant qu'on a appris certaines leçons du SRAS. Alice? Oui, au fait, docteur Boivin, il y a des Canadiens qui sont en ce moment coincés en Chine, qui vont bientôt être rapatriés ici. C'est sûr que dans les aéroports, on a des protocoles qui sont en place, même dans les hôpitaux aussi. Le directeur de la santé publique du Québec l'a dit ces derniers jours. Si vous aviez des conseils à prodiguer à l'endroit de la population ici, que leur diriez-vous pour s'en prémunir? Bien, pour l'instant, il n'y a pas de danger immédiat pour la population canadienne. Le seul danger potentiel pour l'instant, c'est si un Canadien se rend dans la province de la ville de Wuhan, il y a quand même un risque. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui rentre et qui sort à toute fin pratique de cette province chinoise-là. Donc, les risques sont minimes pour l'instant. Je pense pas qu'il y a lieu de s'alarmer, comme le directeur de la santé publique du Québec a mentionné hier. Tout ce qu'on connaît à date de ce virus-là nous fait penser que ce n'est pas un virus qui est particulièrement dangereux. Bien entendu, quand c'est quelque chose qu'on connaît mal, qu'on connaît pas tellement, ça amène toujours plus de crainte que des virus qu'on connaît puis qu'on voit chaque année, comme le virus de la grippe, par exemple. Oui, mais parlons des mesures de sécurité dans les aéroports. Il y a des différences entre pays, présentement, notamment entre les États-Unis et le Canada. On a tenté des expériences lors de l'épidémie du SRAS au Canada pour contrôler les passagers qui arrivaient, qui étaient plus sévères. On a dépensé au-delà de 7 millions de dollars et on n'a répertorié aucun passager malade. Mais dans ce cas-ci, est-ce que les soignants ont raison de s'inquiéter du retour au pays, par exemple, de Canadiens qui se trouveraient en Chine? Effectivement, les différents pays ont pris des mesures différentes quant au rapatriement de leur population. Si on compare la France, l'Australie, les États-Unis et le Canada. Ce que j'ai entendu de la part des autorités canadiennes, c'est qu'il n'y aurait pas de quarantaine au retour des ressortissants canadiens de Chine. Je dois avouer que c'est un petit peu surprenant. Ben. Moi, je me serais attendu à avoir une quarantaine au moins de 7 à 10 jours. Parce que les premières données qu'on a, les autorités chinoises parlent d'une période d'incubation de 5 jours, mais avec un étendu qui peut aller de 2-3 jours jusqu'à 7 à 10 jours. La période d'incubation, c'est la période entre le moment qu'on est infecté et le moment qu'on développe des symptômes. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui arriverait aujourd'hui au Canada porteur du virus, il n'aurait pas nécessairement des symptômes, il ne serait pas nécessairement isolé, il pourrait développer les symptômes quelques jours plus tard. Donc, moi, je me serais personnellement attendu à ce qu'il y ait des mesures de quarantaine appliquées pour les ressortissants qui reviennent de Chine. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que la population canadienne devrait faire pour se mettre à l'abri de ce virus-là? Bon, ce que je comprends, c'est que même s'il n'y a pas de mesures de quarantaine, ces individus-là vont,
vont avoir un suivi étroit. Alors, je pense que, de toute façon, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de foyer actif de multiplication du virus au Canada en ce moment. Pas encore. Une chose qui va être à surveiller, par exemple, c'est les foyers de réplication du virus à l'extérieur de la Chine. Il y a 4 ou 5 pays qui rapportent des cas qui ont été contractés en dehors de la Chine. Et ça va être important de vérifier que ça n'atteint pas plusieurs générations de cas. Parce que si ça atteint plusieurs générations de cas, effectivement, là, ça peut débouler dans la population en général. Mais pour l'instant, ça semble contenu à l'extérieur de la Chine. Eh bien, en même temps, c'est assez étonnant parce que, bon, en Chine, on fait un peu de la géopolitique, là, mais ils n'ont rien appris du SRAS. C'est quand même un pays qui surveille sa population à un niveau assez inédit. Comment une épidémie puisse éclore aussi rapidement et avec un chiffre aussi énorme dans un pays ultra surveillé et en plus qui a déjà connu des épisodes de coronavirus importants? Oui, mais je pense que quand même la Chine a évolué, là. Si on compare en 2003 avec l'épisode du SRAS et 2019-2020 avec celui-ci, c'est allé beaucoup plus vite, la divulgation des cas, le partage des séquences du virus. On parle de premiers cas qui sont apparus en Chine de pneumonie due à un agent indéterminé à ce moment-là, à la mi-décembre. On a fait le lien assez rapidement, dans quelques jours, quelques semaines, que c'est la plupart de ces cas-là provenaient d'un contact avec un marché de poissons et d'animaux. Ce marché-là a été fermé le 1er janvier. Et le 8 janvier, on identifiait l'agent causal de ces pneumonies-là comme étant le coronavirus. Et le 12 janvier, les séquences du nouveau coronavirus étaient partagées avec l'OMS. Mm. Donc, ils ont réagi plus rapidement. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est ces fameux marchés de volailles puis d'animaux qui sont ouverts au grand public à l'air libre, qui amènent des contacts potentiels entre des virus qui sont chez l'animal ou chez l'oiseau et les humains qui fréquentent ces marchés-là. Docteur Boivin, il va falloir se quitter là-dessus. Ça a été extrêmement nourrissant de vous écouter. Là, à la fois un peu plus inquiet, un peu plus rassuré. On sait au moins quoi surveiller. Je pense que c'est important. Vous nous avez donné des pistes à surveiller. Merci beaucoup, docteur. Merci. C'est moi qui vous remercie. À une prochaine. Prochaine. Docteur Guy Boivin, microbiologiste et infectiologue au Centre Hospitalier Universitaire de Québec. Ah, écoutez, c'est quelqu'un qui connaît le monde partout au Canada, qui a reçu des prix honorifiques. C'est quand même quelqu'un de grand. Très, très éclairant. Oui. Écoutez, on est prêt pour le troisième tour de notre grosse boule. Et la réponse a été donnée en entrevue, mais de façon partielle seulement, par le docteur Boivin. D'accord? Alors voici, troisième, on affiche la question. 50 boules à perdre. Je voudrais savoir combien vous en avez, là. Vous avez sur 50? Je ne sais plus. Hein? Ben, moi, je pense que j'en ai 30, non? Oui, vous en avez gardé 30. Elle en a 0. Je sais plus. 0 sur 50. Ah, on n'a pas lu la question. Ben, ça s'en vient, vous en faites pas. Ah, OK. Ça sera pas long, tu l'as régi. Une chance. Ça de... pas. Mais alors, oui, de remonter la pente. Hein? En 2003, pas, hein? Le SRAS avait fait 5900 victimes en Chine, premier pays où il y avait eu plus de problèmes. Le deuxième pays, c'était Hong Kong, avec 1654 victimes. C'est pas des gens qui sont morts, des gens qui ont été infectés, d'accord? Okay. Le Canada était troisième sur la liste des pays les plus touchés par le SRAS. Incroyable, mais vrai. Combien de personnes avaient été infectées au Canada? Est-ce que c'est A, 1025? Est-ce que c'est B, 521 au terme d'une année de contamination? D'accord. Est-ce que c'est C, 251, ou est-ce que c'était 125? Il y avait eu 44 morts, je vous le précise, donc ça vous donne peut-être un ordre de grandeur ici. Quelle est la bonne réponse? Combien de personnes au Canada avaient été infectées, surtout dans la région de Toronto? 1654 à Hong Kong. Alors, ça se comprend. On a beaucoup d'Asiatiques qui vivent sur la côte ouest canadienne. Ouais, puis il y a Toronto aussi. Et il y a Toronto aussi. A, B, C ou D? Allez, on a besoin d'une réponse. Je suis tenté d'y aller avec la réponse A. A, 1025. On y va? B. B,
521. Faites vos jeux, rien ne va plus. La bonne réponse, on affiche les 5 étoiles. Vous allez voir, c'est bon. Ah, c'est oh, moins beaucoup grave, moins que ça. Ah, ok, bon, ouais. Ben. Mais avec, un, 251. Avec 40 personnes décédées, c'est d'accord. Un taux de, oh, wow. De décès très élevé, hein, comparé ben, oui, à ce qu'on oui, voit actuellement. Tout donc, à voilà. Fait. Et bien, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est toujours, écoutez, un plaisir de vous avoir ici en studio pour répondre à nos différentes questions et pour poser des questions à nos spécialistes invités. Un plaisir partagé. Ouais. Parfait. Et vraiment. Puis, aujourd'hui ne fait pas exception, même si on parle d'un sujet qui est assez grave. Là, ben là, oui, pour oui, le moment. Oui, c'est vraiment grave. Il faut en parler. Ben, là, je vais vous faire sourire, je pense, j'espère, en tout cas. C'est notre image de la semaine, vous devez deviner, et je réponds seulement par oui ou par non. Quelle est cette image? J'attends vos questions. Quelle est l'image de la semaine, selon vous? L'image de la semaine. Non. L'image oui, ça, de la c'est semaine. Terminé, pas à trouver. L'image de la semaine. Les corps qui ont été repêchés dans... Au Saguenay-Lac. Oui. Oui. Non, ça, c'est la semaine dernière. Ah, c'était la semaine dernière. Ouais, c'est ça. On a retrouvé le... cette oui, semaine, en tout cas, les... tous les motoneiges. Motoneiges. Tous les motoneiges, mais pas tous les motoneiges. Non, c'est sûr, les deux encore. Oui. Ils sont il en cachés sous l'eau. Oui. Ouais, d'accord. D'accord, disparu encore. C'est bon, pas la bonne réponse. Ça ne se produit pas au Québec, pas cette image de la semaine. Ça ne se produit pas au Québec. Non. Est-ce que c'est aux États-Unis? Oui, ça se produisait aux États-Unis, cette image. Est-ce que c'est le président... Non, non, parce que non, on en a assez là, de une baleine qui a été secourue? Non. Une baleine noire? Non, 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 non. Non, c'est pas les élections américaines? Non, non. Enfin, non, la campagne? Non, pas du tout, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les élections. Ça a à voir avec quelques indices, quand même. Ouais, oh, c'est pas la météo, c'est pas la science. C'est un de ces grands sujets qu'est-ce de, qui, s'est passé aux qui est médiatisé souvent. Ah, non. Je pensais au couple. Carey Price? Non, je sais pas. Hein? Un procès? Non. Non, c'est lié au monde dans du le sport. Sport. Ah, le Super Bowl. Oh, non, le sportif qui est décédé dans un avion. Ah, voilà. L'écrasement oui. Et 10 points Kobe, si vous me donnez son nom. Kobe Bryant. Bravo. Kobe Bryant. Ben oui. Oh, d'accord. Oh, c'est vraiment ça l'image. C'est vrai. Ça, l'image. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est arrivé dimanche. Ouais. Oui, dimanche aux environs de 3h ou 3h30. Moi, je ne suis pas le sport, mais quand j'ai entendu le nom, j'ai dit, c'est quelqu'un de connu, ça. Je pensais à une personnalité. Très, très bon. Très, très bon. Très, très grand joueur de basketball. Voilà. Il est mort avec sa fille de 13 ans. Voilà. Ouais, ouais. Et il y a, il y a un journaliste de NBC qui dit qu'il était mort avec les 4 enfants qu'il avait. Non, 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 c'est pas vrai. C'est une c'est fausse... pas vrai. C'était fait... avec sa fille, voilà. Une amie de sa fille, des parents de cette amie-là. Et combien, oui, ils étaient à peu près 9. Oui, 9 en tout. À peu près 9 personnes à bord de cet avion. TMZ avait annoncé le décès, le tabloïd, oui. Avant que la famille soit au courant. Avant que la police informe les gens. Informe les gens. Alors que, okay. Ouais. Moi, je l'ai presque suivi en direct. Ouais. Donc, j'accompagnais mon fils à ses pratiques de basketball. Wow. Et donc, l'entraîneur, vers 3h30, nous dit, bah, écoutez, il y a Kobe. Mauvaise nouvelle. On lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Kobe Bryant. Tous les enfants étaient comme, ben non, Bella, ouais. C'est pas juste, ouais. Non. Très connu. Malheureusement. Wow. Des jeunes mais aussi. Oui, 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 très, très connu des jeunes. C'était un sportif très engagé auprès très, des jeunes. Très, très engagé aussi. Auprès des jeunes. Ouais, ouais. Très, très prolifique durant sa carrière ouais. Parce qu'il a marqué plus de 33 000 points. Ah oui. 33 000 paniers. Okay. Et il était le troisième meilleur. Comment dire ça? C'est buteur ou quoi? Au basketball, on parle de quoi? Marqueur. De l'histoire du basketball. Ouais, c'est une icône. Et il se trouve que la veille de son décès, LeBron James a eu à battre son record. Vrai, c'est vrai. Voilà, se positionnant à la, à la deuxième position, au deuxième rang, juste après... attends, il y a un autre avant lui. J'ai oublié le nom. Michael Jordan. Est-ce que c'est Michael... Non, c'est pas Michael Jordan. On va ouvrir un canal des sports bientôt. Et... on va vous engager, c'est sûr. Non, pas moi. Votre pourquoi? Fiston, il est aussi grand? Il est grand? Oui, il est pas mal grand pour son âge, mais bon, il aime le basket. Ouais. Ah oui, donc ça a dû le toucher aussi. Énormément. Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous également cette semaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci Stéphane. À la semaine prochaine, dans votre cas, y aller si on vous donne le congé. Je suis pas là la semaine prochaine. C'est Samir qui va rentrer à ma place. Voilà. Excellent. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye.